Bonjour, bonjour, nouvel épisode dans Skull and Bones. Au programme de cet épisode, un petit pillage niveau légendaire. Alors, je l'avais jamais fait, j'avais pas spécialement fait gaffe qu'à la fin il fallait rapporter un truc à la base. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, moi j'ai suivi le pas. Par contre, c'est toujours assez sympa d'aller casser la gueule à plusieurs gros bateaux. Ensuite, on va aller s'attaquer aux dernières grosses pièces d'équipement. Du jeu, alors que ce soit des canons pour bombarder, enfin tout ce que j'avais déjà sur mon bateau, j'ai été chercher les meilleurs, sachant que souvent il va nous falloir de l'argent, des pièces de 8, des pièces souveraines. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? On verra la partie fabrique de rhum. Alors pourquoi? Je ferai l'analogie sur le pavot et l'opium, mais ce qui m'a fait aller là-dessus, c'est qu'à la fois, c'est des améliorations qui ne coûtent pas forcément très cher, mais surtout, pour aller chercher certaines pièces, c'est la monnaie dont on a besoin. On a besoin d'être plus dans la distille de rhum. Et à la fin, on bouclera sur la mission d'histoire que je n'avais pas terminée. C'était un gros bateau hollandais à détruire. À l'époque, j'étais un petit peu léger. J'avais pas spécialement assez investi pour pouvoir le faire de manière sereine. On terminera là-dessus.
Capitaine, ils sont toute une flotte. Allez, donnez tout dans la proue, capitaine. Mangez tout votre sou, il nous faut des forces. Bien, avec tout ce qu'on a fait, on va aller s'acheter. Faisons affaire, voulez-vous ? Un des canons qui me fait de l'œil depuis un petit bout de temps. Celui-ci, canon des Bardenales. Arme ottomane massive d'une puissance terrifiante, les canons tirent à l'unisson pour causer une dévastation maximale. Dégâts explosifs. Je cherche toujours de nouveaux ingrédients pour mes poissons. Ma foi, que choisir aujourd'hui ? Amélioration de notre bateau. Alors j'ai confondu le rapide et celui qui est spécialiste en dégâts de feu. Le brigantin, donc celui que la plupart des gens ont, et on le comprend, au niveau des vitesses, au lieu d'être à 11-14, il est à 12-18. Et lui, on nous dit, se trouve dans les Indes orientales, acheté un officier corrompu de la SMB dans un phare en ruine. Nous ne possédons pas le plan. Donc c'est ici qu'on peut l'avoir. Alors
qui est bien, c'est que c'est pas une monnaie subsidiaire, hein, un petit peu particulière, on peut l'avoir facilement. Par contre, la quantité est assez astronomique, hein. 15 000, c'est l'un des plans les plus chers pour l'instant que j'ai vu. Et on peut voir un petit peu la liste de tout ce qu'on a besoin. Je pense qu'on devrait avoir ce qu'il faut, mais on va voir. Alors, les lingots de magnétite. Alors, on va en profiter pour regarder un aspect que moi, j'avais pas trop utilisé, mais qui peut être assez intéressant, au-delà d'aller attaquer des forts pour avoir directement des lingots. C'est comment, à partir de matériaux bruts, on transforme des minerais en lingots. Et c'est le même principe pour les planches, en fait. C'est-à-dire, à partir du moment où on a des morceaux d'arbres, on peut les transformer en planches, et c'est valable pour tout un tas de choses. Après, je dirais tout le reste, bon, faut utiliser la carte, c'est-à-dire qu'il faut suivre le plan et regarder sur la carte. Ça, je l'ai déjà montré dans des épisodes précédents. À partir du moment où on sélectionne le plan, il va y avoir des petits logos qui correspondent à tout ce qu'on a besoin, tout ce qui nous manque, sur la localité. La plupart du temps, de toute façon, c'est des dépôts et des bateaux qui les prennent. Les ressorts en torsion, c'est une qualité or. Ça, souvent, c'est des bateaux qu'on s'assure eux. Pareil pour les feuilles de verre, le salpêtre brut et la gomme de lac. Je pense que c'est des bateaux qu'on a ou des forts. En tout cas, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir fabriquer notre bébé. Bon, en l'occurrence, si on regarde, hein, là, on a un fort de niveau 13 qui a tout ce qu'on a besoin, mais voilà, c'est niveau 13. Alors, ça se fait bien, surtout s'il y a d'autres gens avec nous. C'est à la fois plus facile parce qu'ils prennent des coups pour nous, et puis on est plusieurs à leur taper dessus. Moi, je l'ai fait il y a encore pas longtemps, ça s'est super bien passé, mais on était 3-4, quoi, donc ça... Inutile de dire qu'ils étaient bien, reçus. Et après, les différents matériaux sont aussi... Alors attention, hein, c'est des zones relativement élevées. Hein, donc forcément, c'est pas un bateau qui est aussi facile à acquérir que si on était dans cette zone-là. Vous avez vu la tour en ruine ? Les bâtards ! Alors avant de fabriquer notre bateau, on va regarder la partie que j'évoquais. Que j'ai pas plus utilisé que ça, parce que généralement je vais directement chercher le produit fini, mais comme je vends. Avec autant de butin ne peuvent qu'attiser la convoitise des dames comme moi. Comme je vends relativement peu de choses, c'est pour ça que j'ai déjà quasiment tout ce qui me va bien. Même si quand j'ai besoin de thunes, enfin, dans le passage où j'avais énormément besoin de thunes, j'en vendais un petit peu tout. Après, je me suis dit, bah, il y a peut-être des choses à garder pour la fabrication. Il y a peut-être des choses à garder parce que, je ne sais pas si on le verra dans cet épisode ou un autre, mais par rapport aux marchandises que l'on vend, en fonction de la marchandise que l'on a et de l'endroit où on le vend, le prix n'est pas forcément le même. Des fois, il y a un malus, c'est-à-dire qu'il est moins cher, on va dire, que le prix standard, et des fois, il peut être plus cher. Ça peut être un bon moyen de se faire de l'argent. Donc là, en l'occurrence, on voit tous les objets qu'on peut fabriquer. Alors, on retrouve des choses, hein, qu'on a besoin pour notre bateau. Il y a ce truc-là. Alors, il y a un petit marteau sur les choses sur lesquelles... les choses que l'on peut fabriquer. On peut voir ce que ça nécessite pour en fabriquer une unité. La plupart du temps, il en faut 1, 2, 3, 4, 5 pour en fabriquer un. Et donc, on peut faire des choses, notamment faire du cuir de crocodile, moyennant des peaux, moyennant d'avoir buté des bestioles. Pareil pour les requins, ainsi de suite. Alors souvent, on a ça dans les contrats. Je n'ai pas encore regardé pour faire de l'argent, mais c'est surtout... pour faire des contrats ou fabriquer des choses. Ça peut être un bon moyen, au lieu d'attaquer un fort dont on n'a pas le niveau, regarder s'il n'y a pas moyen d'avoir les matières premières et de les utiliser. Et en termes d'utilisation, ça marche un petit peu comme la fabrique de rhum ou d'opium. On en met une quantité. Notamment la magnétite, j'avais repéré que le plan allait en nécessité, et je m'en étais mis de côté. Alors on lance la fabrication et ça va les monopoliser la raffinerie. Alors on peut fabriquer jusqu'à 3 trucs en même temps, là où de manière brute, tout ce qui est rhum et transformation du pavot, on n'a qu'une seule activité à la fois. On peut améliorer le temps via des améliorations de la timonerie, mais on en a qu'un. En tout cas, dans un premier temps, il y aura peut-être moyen après de pouvoir en avoir plusieurs, mais de manière brute, on n'en a qu'un. Alors, chantier naval. La notoriété voyage vite, et la vôtre plus que le vent.
C'est parti. Bon, par contre, son défaut par rapport à mon précédent bateau, c'est qu'il sera moins tanky. On peut pas tout avoir. C'est comme un build dans The Division. Alors, on va également en profiter pour améliorer notre arme au centre de notre navire. Alors, je suis pas très roquette ou autre. Je vais faire évoluer mon Léopold, qui est aujourd'hui niveau 2. Alors, je crois qu'on me l'a filé par boîte aux lettres, comme j'expliquais auparavant. Eh bien, cela a été rapide. Et vous devez apprécier mon pote le forgeron. Alors, on voit de toute manière pour les armes auxiliaires, le maximum qu'on peut atteindre à l'heure actuelle, c'est du 50. Alors, on peut soit utiliser les termites, soit le Léopold niveau 3. Et celui-ci, bah, s'achète comme notre bonne vieille coque. Sauf que là, c'est un plan qu'on va acquérir. On retourne voir notre demoiselle. Donc le Léopold 1, il est acquérable. Alors par contre, c'est à l'unité, hein, c'est pas le plan. J'aime bien l'idée du plan, parce qu'au moins on peut en fabriquer autant qu'on veut. Si on veut avoir une flotte. Le plan, il est... Alors faut pas se gourer, hein, parce que... Comment vont Uma et Myria? C'est celui-ci. Non. Mortier réparateur. Non, c'est surtout pas ça que je veux. Voilà, Léopold 3. Donc, on le voit, il est niveau 50. Alors lui, par contre, c'est 2800 pièces. Hein, donc, il faut se retenir de les dépenser pendant un petit bout de temps. Merci de financer ma taverne. Alors, des lingots de magnétite, donc j'en avais parlé un petit peu. Il nous manque de la gomme lac. Il me semble que c'était déjà un truc que j'avais besoin pour une construction. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Mécanisme à vis. Forêt de précision, je crois que c'est un truc de couleur dorée. Mais en tapant des bateaux hollandais, on en récupère. Salpêtre des fous de Bassan. Alors là, j'en ai qu'un, je sais pas ce que c'est. En plus, on voit pas le... De l'argent quand même, 4290. On pourra en fabriquer autant qu'on veut, mais il nous faudra tout ça. Bon, en tout cas, on va aller chercher de la gomme lac. Mais encore une fois, on en avait déjà chopé avant. Alors, si on regarde la carte, alors on est dans la zone de niveau 10, c'est ici. Il y a des camps, il y a des routes hors niveau 7, bon, c'est... ça va aller. Alors, au niveau de notre navire, alors on s'est équipé, bien sûr, de tous nos nouveaux gris-gris, hein, le canon de 110 devant. Bon, pour le reste, pour l'instant, j'ai pas touché. Bien sûr, on attend notre joli bébé. Alors, la grosse différence avec l'autre bateau que j'avais avant, c'est que certes il est moins costaud, mais je dirais au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, on va dire on peut compenser certains coups qu'on prenait avant par la mobilité, par jouer de la protection au bon moment. Il est beaucoup plus rapide certes, mais il consomme énormément d'endurance, donc il faut se nourrir, enfin nourrir son équipage beaucoup plus régulièrement. Et également sa soute est quasiment deux fois plus petite. Donc là où moi j'avais des réserves de canons, de santé, tout ça, ça dégueulait de partout, là il a fallu que je réduise énormément les quantités de choses que j'avais à l'intérieur. Encore une fois, l'objectif c'est de ne pas faire trop d'allers-retours ou de devoir s'arrêter. Donc il y a une bonne gestion de la cale à faire et d'avoir un minimum de choses avec nous. Là où avec mon ancien bateau, c'était les 50 souvent qui m'emmerdaient le plus, les 50 unités de choses différentes
à avoir. Là, c'est carrément, c'est le quantitatif où c'est vite gênant. Surtout que dès qu'en fait, on atteint la limite, je ne l'avais jamais atteinte avant, c'était plutôt le chiffre 50 que j'atteignais. À partir du moment où on a la limite de poids, le bateau n'avance plus. Alors déjà que le jeu est chiant là-dessus, là, ça devient cata. Donc, il vaut mieux avoir toujours un œil sur sa cale. Voilà, on y est. Alors, ce qu'on va faire, on va se positionner maintenant qu'on commence à avoir un peu l'habitude, de telle sorte de pouvoir taper les tours. Le premier round porte souvent là-dessus. Par contre, il y a beaucoup de bateaux. Hein. Je risque de me faire emmerder. Deuxième tour. Ils retiendront votre nom, Captain. Allez étrangler avec. Tenez bon. Voilà. Une fusée ! Il va y en avoir d'autres ! Et pas tombé la gomme encore. Capitaine, c'était ce qu'il nous fallait. L'ennemi a des renforts. Attention. Capitaine, les armes sont prêtes. Voilà. Tout le monde. Ils n'ont pas été super généreux, hein. J'en ai vu qu'un. Je sais pas si là le pillage total sera plus généreux. Ah, j'en ai eu deux, donc il faut en refaire. Ah, ils sont durs en affaires.
Il y en a là ou là. Bien, deuxième camp, donc. Vous gagnez ma confiance, Captain. Il est des secrets que je préfère garder dans mon cœur. J'essaie de regarder où il y a les... Il y a des tours, mais... Bon, vont-ils être plus généreux? Pas sûr. Hein. Bon, logiquement, ils vont moins m'en donner deux. Donc, ouais, je pense que ça va être la même, le même paiement. Pas sûr que ce soit lui. D'habitude, ouais, ils sont plus pressés que ça. Il aurait commencé à tomber là. Normalement, croisez les doigts. Voilà. Ouais. L'équipage a trouvé ce qu'il cachait. De toute façon, pour Luffy qui m'en... que j'en avais pas, ça devait être quelque chose quand même qui était peu, peu donné. Ça y est, on a tout. Alors à noter, on l'avait vu, à partir du moment où on a tous les objets, sur la carte, en fait, on nous montre tous les objets où ils se trouvent. À partir du moment où on en a, il nous marque que ceux qui nous manquent, et dès qu'on les a tous, donc on peut voir les trucs un petit peu particuliers, l'espèce de manivelle dorée, il y a l'espèce de poudre également, qu'on voit ici. Alors je sais pas si c'est chez un marchand qu'on peut l'avoir...
Bon, en tout cas, c'est essentiellement, encore une fois, des trucs dans la zone de niveau assez élevé, hein, où on trouve notre matos. Mister Forgeron. Vous avez triomphé d'un chasseur. Profitez de cette victoire, mais gardez la tête froide. Au boulot. Ah, par contre, niveau équipement, on a une limite là. Il n'y a pas au-dessus. Or, là, je vais aller grappiller encore quelques niveaux. Donc ça. Ça fera rien, et pareil pour les canons de côté, si je vais aller chercher des canons à 110, mon navire ira pas au niveau 11, quelque chose. Mais bon, en attendant, l'amélioration sera là. Ça fera plus de dégâts. Alors maintenant que ça c'est fait, on va s'intéresser à bâbord et tribord. Alors j'ai deux canons différents. Alors ça s'explique pourquoi, parce que j'ai une couleuvrine déchireuse, et... De l'autre côté, j'ai un canon long incendiaire. Alors, il y en a un qui se recharge plus vite. Mais j'avoue, je préfère le long incendiaire parce qu'il tape plus fort, il est plus précis. Je trouve que quand je veux taper l'autre, j'ai envie de dire, comme il y a une espèce de pluie de salve plus importante, j'ai tendance un petit peu à m'aider des premiers tirs pour pouvoir réajuster. Mais dans l'absolu, c'est lui que je préfère. Donc là, on va s'intéresser maintenant au canon sur les côtés. Sachant que pendant très longtemps, j'ai utilisé le poursuivant de Scurlock, qui était un canon qu'on gagnait lors d'une mission de l'histoire. Alors, comme souvent, mon juge de paix, c'est le forgeron. Vous revoilà, capitaine. Mon marteau est à votre service. J'ai regardé un petit peu ce qu'il proposait. Alors, je crois que c'est dans cette catégorie-là. Scurlock, voilà, incendiaire. Et en fait, celui qui suit, c'est le canon de Scurlock. Niveau 110. Alors lui, comme on l'a, eh ben, faut aller l'acheter à John Scurlock à Sainte-Anne. Alors, on va pas aller le voir, parce que j'ai déjà été le voir. Et en fait, lui, il a besoin d'une monnaie bien particulière. Et ça va me faire une parfaite transition sur quelque chose que j'avais pas trop joué. Et donc, forcément, que j'avais pas forcément montré. C'est la partie rhum, distillerie. Alors, à Sainte-Anne, on utilise le sucre pour faire du rhum. Et puis, son équivalent en Indo-Oriental, c'est le pavot. Mais c'est exactement le même principe. La distillerie. Donc à partir de canne à sucre, on peut faire du rhum. Et pour avoir de la canne à sucre, on a le réseau de ravitaillement qui peut nous aider. Ça aussi, dans le cadre de l'histoire principale, on nous le fait faire. Alors il y a deux moyens d'avoir de la canne à sucre. Il y a l'acheter. Ou il y a, on va dire, la prendre gratuitement. Par la force. Donc ce qui est bien par la force, c'est que accessoirement ça nous fait de l'argent en plus, donc moi j'aime bien. Par contre, attention, le jeu propose assez rapidement des attaques de fort niveau 15, enfin des trucs où si on est tout seul, ça me paraît un petit peu compliqué. Encore une fois, Ubisoft nous force un petit peu à jouer en coop. Alors la force du coop, je trouve ça bien. Le fait de limiter nos bateaux à 11, c'est-à-dire qu'on n'est pas moyen de level up plus. Et nous faire... alors pour l'instant, là, j'ai vu du 15, mais il y a peut-être plus élevé. Mais encore une fois, Ubisoft, le seul moyen, entre guillemets, hein, je dis pas qu'on peut pas le faire tout seul, hein, mais pour avoir affronté un mec élite à niveau 12, en nous touchant une fois, maintenant, en nous protégeant, il nous azmate le bateau. Donc ça paraît un peu compliqué. Encore une fois, le jeu nous oblige, enfin nous incite fortement à faire du coop, et ça, j'aime pas trop. J'aime bien quand on a d'autres alternatives. Ça me fait penser à Contagion, où il y avait certains modes de jeu, on nous a imposé de jouer en multi. Bah, moi, je dis à Ubisoft, allez vous faire voir.
qu'on ait du plaisir à jouer en coop, que le jeu soit construit pour prendre du plaisir, c'est très très bien, mais nous l'imposer pour arriver à certains trucs, c'est un petit peu dommage, je trouve. Enfin bon. Après, il y a moyen de trouver des gens, mais c'est toujours dommage. Moi, j'aime bien d'abord avancer un petit peu en solo, et une fois que j'ai un peu mieux compris, m'engager en coop, c'est plus sympa. Donc, voilà pour la canne à sucre. Pour en obtenir, alors au début moi j'en obtenais pas mal, je l'avais montré, hein, y a moyen de booster un petit peu notre business ici pour que les gens aillent plus vite en leur apportant ce qu'ils ont besoin. Lui par exemple il veut des baies de genévrier, de la canne à sucre, forcément en fait ils demandent ce qu'ils ont besoin pour faire ce que notre distillerie fait en gros. Donc une fois qu'on a de la canne à sucre, on va pouvoir aller ici. Alors avant d'y aller, parce que malheureusement pour avoir notre canon, c'est pas suffisant, il suffit pas de transformer la canne à sucre en rhum, au niveau de la timonerie. D'ailleurs, je sais pas ce qu'ils ont merdé dans leur classement hebdo, le compteur s'est remis à zéro, mais le truc s'est pas mis à zéro, ce qui fait que j'ai atteint la limite. Donc j'ai plus les pièces qui tombent, ça c'est dommage. Bon, pour le saisonnier, lui par contre, ça continue de grimper. Donc ça c'est bien, mais j'avoue, pour l'hebdo, j'aurais bien aimé un espèce de niveau bis, quoi, tous les X 1000 qui nous continuent de nous filer. Je crois que c'était 100 le dernier palier, ou 70. C'est un petit peu dommage. Alors dans les améliorations, l'opération de contrebande dans laquelle j'avais pas du tout amélioré les choses, alors il se trouve que c'est plutôt bien, là vous le voyez, je suis à 13e amélioration, ça ne me coûte que 350, je dirais à son opposé, vous avez ici le niveau 7 d'amélioration, ça coûte déjà 2000, donc celui-là est beaucoup plus abordable, et en fait alors on va gagner du temps dans le raffinage. Alors je vais y revenir, c'est histoire de gain de temps. Je crois qu'il y a des améliorations de production, enfin on peut avoir des petits bonus et tout. Et surtout, à un certain moment, il va arriver quelque chose de très intéressant. Alors au début, on peut ne pas comprendre. Production de rhum Gold Skull. Donc on déverrouille la production. C'est-à-dire qu'au début, on peut transformer la canne à sucre en rhum. Et le rhum Gold Skull, en fait, c'est on va utiliser notre rhum et on va en faire un produit encore plus raffiné. Et c'est celui-là que notre ami veut. Donc ça veut dire que pour avoir notre canon, il va falloir choper de la canne à sucre, la transformer en rhum. Alors bien sûr, on peut toujours acheter des choses, hein, au lieu de les raffiner, mais souvent ça coûte moins cher, ou c'est plus facile de le faire à grande échelle. Quand on se balade, on dit allez hop, je vais aller chercher de la canne à sucre et puis je le ramène à la maison, on va faire du rhum. Donc là, on débloque le rhum Gold Skull, et également, il y a le Gin White Skull qui, lui, est fait à partir de baies de genévrier. C'est pour ça que je disais, nos petites entreprises, elles ont besoin, en fait, du produit pour faire leur produit final. Voilà. Donc, en fait, niveau 7 et 8, on va déverrouiller ces deux nouveaux types de production, et après, c'est des améliorations de raffinage, l'augmentation des pépettes et réduit du temps d'affinage. Alors c'est important le temps d'affinage, on pourrait dire, parce qu'au début faire du rhum ça va très très vite, mais alors le Gold Skull, ma toute première production, mon dieu ce que c'était long, et je crois qu'une fois qu'on a lancé la production, il garde en tête l'ancien temps. C'est-à-dire que si vous faites l'amélioration alors que vous avez déjà lancé une production de 100 bouteilles, et ben vous l'avez dans l'os, le temps est peut-être pas amélioré. C'est l'impression que j'ai eu. Donc voilà, ça c'est pour la partie amélioration. J'ai parlé du sucre, on va aller maintenant au niveau de la distillerie. Donc là aussi, le jeu nous le fait faire une fois, de mémoire en tout cas nous le présente. Fournir des matières premières. Alors au tout début, en fait, on ne peut faire que du rhum White Skull à partir de canne à sucre, le truc simple. Et grâce aux améliorations que je vous ai montrées, on peut faire du Gold Skull. Alors je crois que c'est à partir de deux rhums. On en fait un, donc ça veut dire que ça va être extrêmement, consommateur, hein, par rapport à la canne à sucre. Là, c'est un pour un, et là, c'est un pour deux. Donc en gros, si je dis pas de conneries, il faut deux cannes à sucre pour faire un rhum White Skull. Et je vous l'ai pas encore montré, mais pour avoir un canon, attention, on a bâbord et tribord, un canon, c'est 1000.
Donc il va nous falloir 2000 trucs de canne à sucre pour pouvoir avoir notre joli canon. Donc inutile de dire qu'il va falloir travailler un petit peu en amont et les transformations vont prendre du temps. Donc à partir du moment où on veut le canon, il va se passer un petit peu de temps, un peu d'inertie avant que les canons rentrent sur notre bateau. Pour celui-là, le gin, c'est une autre bouteille. Alors, j'ai remarqué que Scurlock, en fait, il a plein de trucs différents. On peut le payer en plein de trucs en fonction des objets, mais en tout cas pour notre canon, c'est celui-là. Donc voilà un petit peu pour l'explication en amont. Donc Scurlock, hein, Sainte-Anne, on le connaît bien. On a beaucoup travaillé avec lui. On a bien cru à un moment donné qu'il allait nous descendre si on ne faisait pas ce qu'il voulait. Bon, il propose des contrats, acheter et vendre, voilà. Donc, alors on voit pas très bien. Puis, il y a un truc que je trouve dommage, c'est qu'on ne voit pas en haut, comme des fois ça arrive, par exemple, le marchand avec les histoires de dents de Godzilla. Il me semble qu'elles apparaissent, les monnaies, ici. Là on ne voit pas nos trucs apparaître, mais on peut voir les autres, voilà, le Jean Gold Skull. Donc ce qui est fait avec les baies, on peut s'acheter des armes à feu, de la poudre à canon. Alors il y a le plan du poursuivant de Scurlock, c'est-à-dire que le canon qu'on gagne dans le cadre de la mission principale, on peut l'acheter. Alors il faut quand même raffiner 1000 bouteilles. Quand on sait qu'en plus le truc il est que de niveau 60, moi aujourd'hui j'en ai plus trop l'utilité, ça serait pour la postérité à la rigueur. Mais voilà notre canon. Inflige 7000 dégâts après application de l'effet voile déchirée. Donc on va en acheter un. Alors on ne le voit pas, hein, mais j'en ai 1000 canon de Scurlock. Bah, je peux en... Bravo à toi. Ouais, bravo, ouais, tu m'étonnes. Bon nombre de complots se tisent contre moi. C'est le prix de la grandeur, j'imagine. Même mes chiures attirent mouches et vermines. Tout le monde veut un morceau de l'empire que j'ai bâti. Et maintenant que Karadek n'est plus là, ils montrent leur nez. Les autres pirates, ceux de Pharah, les Français, et même peut-être le peuple de la mer. Je ne peux pas me fier à grand monde. Moi non plus. C'est pour cela que je mène des purges dans mes propres rangs. Tu sais, Crevette, je regrette presque cette grenouille arrogante. Karadek était certes une plaie, mais il était seul. Sa mort a changé les choses. Mes ennemis s'efforcent davantage de rester dans l'ombre. Bah, ils sont malins. Bonne chance, capitaine. Donc mes bouteilles. Alors c'est pas évident, hein, pour retrouver nos trucs, voilà. J'en ai plus que 32, hein, j'en ai pas fait beaucoup de rab, hein, vu la quantité. Ça c'est l'opium qu'on fait à partir du pavot, hein, c'est exactement le même fonctionnement. Alors, j'ai pas encore été regarder là-haut ce qu'on peut avoir en transformant l'opium ou autre. Et donc là, on va aller mettre notre canon. Alors je vais garder le long incendiaire parce que j'aime bien. Et puis ici, on va mettre celui-là. Et encore une fois, hein, on a une limite de niveau, c'est-à-dire que même si on grimpe, là, ça ne changera rien, on passera pas niveau 11 et quelques, mais en tout cas, on va aller grappiller encore un petit peu de puissance, et l'idée, s'il me plaît bien, mais je pense qu'il me plaira bien, ça sera de mettre la même chose de l'autre côté, où on peut également, en fonction, par exemple, les canons que je mets plutôt devant et derrière, c'est pareil, on peut les mettre plutôt sur les côtés. Après, ça dépend de notre manière de jouer. Mais là, notre bateau commence à être un peu sympa.
vous avez achevé ce travail? Alors, chose également qu'on va peut-être pouvoir s'acheter, vu qu'on a pas mal de pièces souveraines. Ce truc-là, je le trouve sympa. Poste 2, gréement. Récupérer 1% de santé de la coque par seconde quand la santé de la coque est à moins de 20%. Donc ça, plus le fait que notre coque, à partir du moment où on est à moins 30%, on prend moins de dégâts, ça peut aider à notre survie. Le commerce est une nécessité dans notre... Par contre, c'est le genre d'équipement qu'on peut avoir que une fois sur chaque navire. Ceux qui sont violés, c'est un petit peu dommage. J'aimerais bien avoir un bateau, on peut en avoir deux. Alors, maintenant qu'on a un beau bateau, alors j'hésite encore entre mon tank et mon bateau rapide, mais je pense qu'il est quand même suffisamment costaud. À partir du moment où on est passé à infamie, ça m'a supprimé. La mission d'histoire principale que j'avais en Inde orientale, où fallait péter la gueule d'un gros bateau hollandais. Pour ceux qui se souviennent, j'ai dit bon, j'y reviendrai plus tard parce que il est un petit peu costaud. Donc maintenant qu'on est à la fois plus costaud et qu'on fait plus de dégâts, on va aller lui péter sa gueule. Alors, on peut réactiver la mission, en fait, je m'en suis rendu compte, en retournant discuter avec elle. Le jeu l'a toujours en... Ah, le brigantin, tu aimes ses voiles. Ce navire est bâti pour le combat. Voilà, c'était ça. Ne prends pas de hausse de Telok Penjara. Nos histoires captivent le monde entier. Bon, elle ne refait pas le blabla, hein, parce qu'on l'a déjà eu, mais... Donc l'idée, c'est d'aller ici, il va y avoir une petite... quelques bateaux, en fait, qui nous attendent, on les embarque avec nous, et on va se retrouver dans un combat de bataille navale autour d'un fort, avec un très très gros bateau qui va essayer de nous couler. C'est bien, ça va être le baptême du feu pour nos nouveaux canons. Une fois qu'on a goûté aux 17 nœuds... Alors quand on n'a pas le vent dans le de face, hein, parce que j'ai l'impression que Ubisoft, c'est des petits rigolos. Ils adorent nous mettre le vent dans le nez pour pas qu'on avance. Mais quand ça veut bien souffler dans notre dos... Eh ben, c'est bien agréable, hein, pour aller faire le tour des dépôts et aller chercher notre thune. C'est extrêmement agréable. Comme je le disais, hein, faut soigner notre équipage et avoir un œil sur la jauge d'endurance. Et allez, voilà, les petits pépères. Hein. J'ai cru que c'était ici. Ouais, par contre, c'est pas grave, je lui en ai mis aussi une. Ils sont. C'est marrant parce que on va se faire une bataille avec. Avec les montagnes entre les deux. Ça peut être une stratégie. Hein. Ah, et quand ça fait mouche, ça tape fort. Hein, ouais. Ah, m'a retrouvé.
Ouais, j'ai été poussé au dernier moment. Non, j'avancerai pas. On ne retrouvera jamais vos cadavres. Bon, c'est dommage, c'est pas le bateau de notre ami. Il est un peu plus costaud que ça quand même. Voilà. Alors, déclencher le signal. Alors, il y a un putain de brouillard, on voit rien. Est-ce que c'est notre ami là ? Peut-être lui là. N'arrive pas. Pas bien à voir. Il y en a un qui est juste à côté. On en profite bien. Hein. Ah, c'est lui. C'est le mec qui est derrière qui me fait le plus de dégâts. Je peux viser ses points faibles. On sait bien, il y a tous mes petits potes qui arrivent là. Et ils sont en train de lui réserver un sort. C'est fort, pense pouvoir gagner. Il fait le malin, mais pour l'instant il se fait défoncer. Hein. Oh. Ah, puis il y a les petits bateaux kamikazes, ça je me souviens de toi. Putain, oh là là là. Il va réussir à me défoncer ce con.
C'est là où le tank... Ouais. Donc j'ai pas l'opportunité de reprendre de la santé, je vais pas faire le malin. Eh bah dis donc, c'était... Non, le petit bateau. Ah, il m'a coulé le bateau. Il m'a frôlé pourtant, hein, mais je suis pas persuadé que ma protection était active au moment où... Bon, c'est pas très grave, il est bientôt mort. Bon, on y retourne, mais cette fois-ci, je me suis équipé de mon gros... ma version tankée. Et on va le terminer. Il encaisse bien, il encaisse mieux quand même que le petit. Travaillez plus dur ou on va chavirer. Ça y est, il va balancer ses bombardes et envoyer ses petits... Un petit kamikaze, il va me refaire la même coupe que tout à l'heure. Nous allons les détruire avec nos canons. Présenté à Rama le manteau de Van Kickel. Ah bon, c'est pas complètement fini. Bien, on va retourner voir la demoiselle. Sert de mortier à présent. Une arme brouillonne qui cause beaucoup de dégâts.
J'aime bien, effectivement. Tu as fait bondir Van Kinkel hors de son gilet. Dommage que tu n'en rapportes pas le cadavre. L'homme qui voulait mettre un terme à la piraterie. Ce chien est mort. Ces hommes sont à mi-chemin d'Amsterdam. La coque et l'amour-propre en piteux état. Cette victoire aura réclamé du sang et des larmes. Mais ça en valait la peine, non? C'est ici qu'est notre avenir. Ce moment, c'est notre moment. C'est notre capitale. Ici, nous sommes affranchis. Ici, nous sommes pirates. Notre résistance est la racine et la tige de ce qui deviendra une république libre. Jamais leurs canons ne nous bâillonneront. Et cela grâce à ton aide. Bon, à présent, fait-on cela. Je crois que tu as largement mérité ceci. Porte-le fièrement. Quand je t'ai rencontré, je me suis posé des questions. Je me suis demandé si tu irais nourrir les poissons, avec le goût de l'échec et du regret. Aujourd'hui, la mer est ton terrain de chasse, et les vents te portent vers le pouvoir, la richesse et l'infamie. Et on me dit que certains cercles s'intéressent à toi. Leur nom est réservé à ceux qui sont dignes de manipuler les fortunes de ce monde. Comme toi et moi, Capitaine. La timonerie a d'importants moyens et de grandes ambitions. Sans son argent et son influence pour la soutenir, ma résistance ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais à présent, il est temps de bâtir ton propre empire. Avec une flotte de Kingpin. Yanita et Uma devraient pouvoir t'en dire plus. Au-delà de leurs antres de débauche, ces deux sœurs s'y entendent pour réaliser les rêves. Puissent les vents soutenir ma cause et tes ambitions, Capitaine. Je suis sûr que nous nous reverrons. Je suis impressionnée. Alors, qu'est-ce qu'elle vend, elle ? Alors, j'ai l'impression qu'elle a également sa monnaie. Alors, oui, bah, en fait, c'est la même chose que notre ami. Et l'équivalent du canon, en fait, c'est un lance-torpille. Et ça va être pareil, c'est-à-dire qu'il va falloir cultiver le pavot. Il doit y avoir un... C'est quoi ? Opium du lotus noir. Alors, j'arrive pas bien à voir... Voilà, lotus bleu. Donc je pense avec l'opium, on fait du, enfin pas avec du pavot, on fait de l'opium de lotus bleu et en raffinant l'opium de lotus bleu, on doit pouvoir faire du l'opium lotus noir afin de pouvoir avoir le meilleur lance-torpille. Donc les missions narratives avec elle, c'est terminado. On va aller voir. Sa collègue, alors je sais plus dans les améliorations de la timonerie, j'ai amélioré pour le rhum, mais il y a peut-être, de toute façon il y a l'équivalent pour le, c'est par là. Je sais même, cachette contrebandier, je sais même plus, le passage je vais y aller directement, ce sera plus simple, voilà. Ça s'appelle ça le laboratoire. C'est Breaking Bad en fait. Ça c'est ce que j'avais. Ouais, donc pour l'instant, je ne peux faire que de l'opium du lotus bleu. Tout le monde revient ici. Et dans les améliorations, ici. Ça fait longtemps que j'ai pas réclamé de thunes. Tac tac tac. Opération de contrebande.
Voilà, déverrouille la production d'opium de lotus noir à partir de l'opium de lotus bleu. Ouais, c'est le même principe, sauf qu'on va le chercher un petit peu plus tard, ce qui est un peu logique parce qu'on commence d'abord en termes de cartes. On commence par cette zone-là et après on va au niveau des Indes. Les gens travaillent quand même pendant que je fais mes petites affaires. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. On a vu pas mal de choses, améliorer notre bateau plus. On a parmi les meilleures pièces, après en fonction du style de chacun. Moi j'ai plutôt la bombarde et les tirs précis. On a vu pas mal la partie utilisation de la canne à sucre, la fabrique de rhum, afin d'obtenir les meilleures armes. Et on a pu voir là l'équivalent avec l'opium et le pavot suite au prochain épisode.